On est au Square Dorchester à Montréal en compagnie de Paul-André Linteau, historien et spécialiste de l'histoire de Montréal. Bonjour, M. Linteau. Bonjour. Bonjour. Dans le nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada qui est en implantation, on demande aux élèves de caractériser certaines périodes. Pouvez-vous nous parler un peu de l'importance de l'outil de la périodisation pour l'historien? Bien, pour l'historien, il cherche à donner un sens aux événements du passé. Alors, si on prend chaque événement individuellement, c'est difficile de l'expliquer. On cherche à les intégrer aux autres événements qui se passent autour, à ce qui caractérise une époque, d'où l'importance de cette périodisation qui n'est jamais un absolu. La date de début, la date de la fin, ce sont des repères. Tout ne change pas tout d'un coup en histoire, mais ce sont des repères qui aident à comprendre le climat d'une époque. Et en quatrième secondaire, les élèves vont se pencher sur la période de 1896 à 1945. Quelle est l'importance de cette période-là dans l'histoire de Montréal? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est important de distinguer deux sous-périodes. De 1896 à 1929, Montréal est en expansion, tandis qu'à partir de 1930, là, il y a la terrible crise économique qui dure une dizaine d'années et qui est suivie de la Deuxième Guerre mondiale, qui est une période tout à fait exceptionnelle aussi parce que toute l'activité est concentrée vers la victoire. Donc, pendant une quinzaine d'années, on peut dire que l'urbanisation est en suspens à Montréal. Et cette première sous-période-là, justement, on la qualifie souvent d'âge d'or dans l'histoire de Montréal. Quelles sont les caractéristiques de cet âge d'or-là? Bien, c'est une période de grande croissance pour Montréal. À la fin du 19e, on a à peu près un quart de million d'habitants. En 1930, on a 1 million d'habitants. Donc, l'augmentation de la population est considérable grâce à l'immigration internationale, grâce à l'exode rural des Canadiens français qui quittent les campagnes. Et c'est aussi une période d'industrialisation très forte de Montréal. Les entreprises investissent de façon considérable pour agrandir leurs usines, augmenter leur production. C'est ça qui domine l'activité montréalaise à l'époque, c'est la production manufacturière. On est devant l'édifice de la Sun Life à Montréal. Comment cet édifice-là, justement, représente la période d'âge d'or dont on parle? La compagnie d'assurance Sun Life est une des plus importantes à Montréal. Dans les années 20, elle est en forte croissance et elle décide de faire agrandir son siège social pour loger ses 3000 employés qui y travaillent. Et donc, l'immeuble qui est agrandi par étapes est terminé vers 1931. Puis, il est à ce moment-là considéré comme le plus vaste de l'Empire britannique. Alors, ça témoigne très bien de l'effervescence qui règne à Montréal dans les années 20. Il faut construire très vite pour répondre aux besoins. Et quand on se dirige vers la rue Sainte-Catherine, on en voit un bel exemple aussi avec un autre immeuble de la même période, le Dominion Square, qui est un immeuble de bureau très moderne à ce moment-là et très représentatif de cette effervescence. C'est un édifice magnifique. Sur le plan architectural, c'est un immeuble de bureaux loué à différentes
entreprises et il se distingue, il est novateur parce qu'il a un stationnement souterrain, ce qui témoigne là, de l'importance que l'automobile est en train de prendre dans la ville. Il a aussi un centre commercial intérieur sur 2 étages et ça aussi, c'est une nouveauté en termes d'architecture, d'urbanisme et ça préfigure d'autres complexes de bureaux comme Place Ville-Marie qui viendront plus tard. On est maintenant sur la rue Sainte-Catherine, à l'angle de l'avenue Union. La rue Sainte-Catherine est une artère fort importante dans l'histoire de Montréal, surtout dans l'effervescence du début du siècle. Qu'est-ce qu'elle représente dans l'histoire de Montréal, la rue Sainte-Catherine? Bien, la rue Sainte-Catherine, ça a été un peu le cœur d'un nouveau centre-ville qui s'est développé à l'extérieur du vieux Montréal à partir de la fin du 19e siècle. C'est d'abord le commerce de détail qui migre du vieux vers la rue Sainte-Catherine et le geste de M. Morgan qui vient en 1891 faire construire ici le premier grand magasin de Montréal, bien, c'est ça qui démarre l'opération. Plusieurs autres grands magasins vont s'établir aussi le long de la rue, ce qui fait que la rue Sainte-Catherine devient le paradis du magasinage à Montréal. Il y avait plusieurs lignes de tramway qui venaient jusqu'ici. À la même époque, la rue Sainte-Catherine acquiert aussi un rôle culturel parce qu'il y a beaucoup de théâtres puis de salles de cinéma qui vont être aménagées tout le long de la rue, qui vont aussi attirer des foules parfois à d'autres moments que les grands magasins, ce qui va donner très tôt à la rue Sainte-Catherine une animation toute particulière. Et puis, tout près d'ici, près de la rue Bleury, on construit juste avant la Première Guerre des immeubles industriels pour l'industrie du vêtement. Puis on commence à construire des immeubles de bureaux plus loin à l'ouest. Donc, il y a toutes les fonctions d'un downtown, d'un centre-ville qui s'installent ici et qui vont avoir leur consécration définitive avec l'inauguration de Place Ville-Marie en 1962. À ce moment-là, le basculement du vieux Montréal vers la rue Sainte-Catherine est terminé. Thank you.